Eh bien, salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Star Ruler 2. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, donc ça, je ne sais plus du tout où j'en suis. je vais être franc, voilà, sauvegarde Let's Play, je vais la charger, je vais mettre pause direct. Parce qu'à mon avis, ça pue. Ah, alors attendez. Voilà, on met en pause, donc... Si je me souviens bien, j'étais en guerre avec messieurs... Voilà, la Federation of Eldar, qui sont les progéniteurs. Donc voilà, mes alliés sont les bleus. Et je suis également en guerre avec ceux-là. La Fédération de Fasci, qui est censée être pacifiste, mais bon, on repassera. Donc j'avais commencé à faire de l'armée en masse. En masse. Vite fait, hein. Voilà, pour protéger les différents systèmes. Vu que, de toute façon, ils commençaient un peu à s'introduire chez moi. Voilà. Donc, là, ma planète mère est là-bas. Elle est actuellement level 5. Pour la passer niveau 6, il faut deux planètes de niveau 2. Là, j'ai deux planètes de niveau 2. Il me manque juste deux planètes de niveau 1 et... un de bouffe. Je crois qu'on va s'occuper de ça tout de suite, parce que quand j'aurai la planète niveau 6, enfin je sais pas si je peux l'avoir niveau 6, mais en tout cas si je peux c'est génial. Si je peux c'est génial. Ah ben voilà, 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 ça c'est bien. Voilà, ça c'est très très bien. On colonise. On colonise, ça fait deux de flotte. Il va forcément me falloir de la bouffe. Forcément. Donc je prends la bouffe. Même l'autre de flotte, parce que de toute façon, il va me falloir de la planète niveau 1. Donc tout ce qui est flotte et bouffe, je colonise. Voilà, pas de pitié, on colonise tout. Ici, j'ai une protoplanète. Est-ce que je peux l'utiliser? Et j'ai pas assez d'énergie. Énergie... Ah bah si, carrément. J'ai 1600 pour... Pourquoi il veut pas? J'ai 1600 d'énergie. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en pause? Non, bah alors. 700 d'énergie, oui. J'ai 1600 d'énergie, tête de nœud. Ça sent le bug. Alors attendez, protoplanète. J'en ai une ici, que je peux utiliser. Donc, voilà, je l'ai utilisé. J'ai ma planète de niveau 1, qui est ici. Donc je vais la coloniser et importe tout level 1. Ok. Alors pourquoi je peux pas avoir celle-ci? Ah, mais non, parce que c'est un système qui appartient à nos amis les bleus. Ça appartient à nos amis les bleus. Alors, la voilà, la ressource est dans la défense. D'accord, très bien. Il va falloir que je fasse des recherches dans le domaine militaire et au plus vite. Voilà, tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici. Voilà, hein, ça augmente les dommages de 10%. Ça fait du support en plus. Contrôle computer, je vais le prendre. Armoring, hein, ça augmente la défense. Voilà, c'est plein de bonus comme ça en fait. Hein, logistique améliore de 10% les supplies. Voilà, tout ça il va falloir que je commence à le rechercher. Et au plus vite, le cochon d'Inde s'énerve, c'est pas grave. Donc, ça colonise. Alors, voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une flotte? C'est une flotte, c'est une flotte, il y a des vaisseaux avec. Ici, j'ai pas de flotte, j'ai juste ma défense, ça devrait suffire. De toute façon, je ne pense pas qu'ils vont m'attaquer. J'ai un gros doute là-dedans. Battleship has been built, donc c'est ok. Donc j'ai un deuxième battleship ici. Ça, c'est en auto-import ou pas? C'est en auto-import. Bon, ça colonise, hein. Ça colonise tranquillement. On va accélérer un peu. En surveillant qu'il n'y ait pas de pépins. Ah 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 ah. Voyons voir. Petit tour diplomatique. Alors, zéloterie. Alors, qu'est-ce que c'est de la zéloterie? Zéloterie, où est-ce que je... Voilà. Alors, si le vote passe, toutes les planètes contrôlées vont se défendre d'elles-mêmes avec des lance-missiles.
la quantité de missiles par planète dépend du niveau de la planète. Les lance-missiles planétaires sont désactivés quand tous les supports orbitaux sont détruits et quand la flotte ennemie commence à l'assiéger et capturer le monde. D'accord. Donc ça rajoute des lance-missiles sur toutes les planètes, que ce soit pour nous ou pour l'ennemi. Hein, c'est une sorte de convention. Bah, étant donné que je suis en guerre et que je suis assez vulnérable pour le moment, je serais tenté de voter pour. Alors ça, c'est mes potes. Pourquoi ils votent contre ces cons-là? Ils sont attaqués en plus. À moins que ce soit pas mes potes. Attendez. Ah si. Ah non, peaceful. Je suis pas allié avec eux. J'étais allié avec eux. Et là, je suis pas en guerre avec eux. Quoi? J'étais allié avec vous, bande de cons. Propose un traité, alliance. Propose. Ah mais non! Attendez. Mais si! J'étais allié avec eux, je rêve pas. Ouais. Moi, pas tout comprendre ce qui se passe. Ça fait longtemps que j'ai... Eh ben si je suis allié, pourquoi il me dit non? Peaceful. C'est peut-être pas indiqué quand je suis... Bah si, normalement c'est indiqué. Bon, je vais laisser passer. Je vais laisser passer, on verra bien ce qu'ils disent. Hein, les... Je vais m'abstenir sur ce vote, vu qu'ils sont en train de voter. Moi j'aurais voté pour, mais eux ils sont en train de voter contre. Ça risque de... Ça risque de... Voilà. De ternir les relations diplomatiques, donc on va pas faire les connards. On va attendre d'avoir colonisé tout ça. Ça colonise. Alors est-ce que c'est passé violet? C'est passé violet. Est-ce que je peux utiliser la protoplanète? Oui, je peux. Très bien. Donc ça, maintenant, je peux coloniser et auto-import. Est-ce que ma planète a pu passer niveau 6? Ou pas. Non, c'est la planète que je veux cliquer. Je ne peux pas la faire passer au niveau 6. À moins que je fasse un import manuel. Non, je sais pas. Alors, est-ce que j'ai deux planètes? Non, j'ai pas de planète niveau 2 disponible. Pause, 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 pause. Ça attaque. Ça attaque, ça attaque. Alors ici j'ai quoi? Une flotte de 200, une flotte de 200, une flotte de 200. Je vais envoyer les trois. Je vais envoyer les trois. Alors attendez, hop. 327 d'énergie FTL, j'ai 443, c'est nickel pour les trois flottes, hein. Donc ça c'est bon. Je vais commencer à utiliser la défense pour le système. Autruse d'or. Là, franchement, ça pue. Surtout que ça, c'est une race puissante. Voyons voir un peu la taille de leur vaisseau. Ah non, Beamship, Gunship. Ils ont les vaisseaux de départ. Sauf celui-là, le stick. Taille 12. Alors, taille 12, qu'est-ce que c'est? C'est un missile launcher. Deux missiles launcher. Aquaria. Qui n'a pas d'armes. N'a pas d'armes, ça? Non, non, c'est un vaisseau qui n'a aucune arme, mais qui a une énorme quantité d'armure à l'avant. À mon avis, ça doit servir de bouclier. Parce qu'on peut donner l'ordre au vaisseau d'intercepter les tirs ennemis et d'aggro la flotte ennemie, quoi, pour défendre les flagships. Donc, pas très dangereux, c'est juste que ça m'empêcherait peut-être un peu de d'attaquer. À part ça, beaucoup de beamship. Les beams, ça fait mal quand même. Le Trunk 1. Deux raygun, d'accord. Deux raygun de taille correcte sans ajout particulier, donc... Aquaria. Oh merde, ça c'est un lance-torpille par contre. Ah non! C'est un rocket pod, d'accord. Ça va, j'ai... Voilà. Surtout les torpilles qui font flipper. Alors ça c'est un triple beam. Ah ouais, non.
Bon, on va tenter. Là, je risque de perdre une planète. Si j'arrive à remporter cette bataille, je pourrais reconquérir la planète perdue. Ah, mais ceux-là, ils sont bons. Voilà. J'ai commencé à utiliser mes points de défense pour ce système. Du coup, il y a des vaisseaux qui pop. J'ai des vaisseaux qui pop un peu partout. Voilà, ça les a forcés à revenir ici. Je préfère qu'ils restent tous à ce système. Ils sont un peu occupés avec la défense. Le temps que je ramène ma flotte, quoi. Qui est arrivé d'ailleurs? On va attendre la dernière flotte. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'y avait pas de vaisseau. Ok. On se met tout de suite en attaque sur cette flotte-là, taille 272, c'est parti. Alors c'est quoi ce cercle? Elle a perdu son... La planète a perdu son approvisionnement en eau. Ok, doucement, 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 doucement. Ils vont leur foncer dans le lard, c'est pas bon ça. Ils ont pris trop de vitesse. Ah, il commence déjà à tirer sur mes vaisseaux, je le sens pas. Allez, on coupe. Ouais. On canarde, allez, c'est parti. Moi aussi, j'ai beaucoup de beam, donc ça va. Des triples aussi. Donc Allez, on les défonce. Dire de changer de cible. Parce que ceux-là, ils vont nous traîner. Voilà, ça va être chiant. On va se concentrer sur une autre cible. Moi, je dis c'est pas mal. On s'en sort plutôt bien là, parce que c'est surtout les vaisseaux de support qu'on a pris plein la gueule. Les flagships ont l'air d'aller bien. Enfin, j'espère. Sauvegarde. Je remets en vitesse normale. Donc ceux-là, ils sont en fuite, c'est très bien. Allez. C'est bon, le flagship a été détruit. On va leur dire tout de suite de recapturer la planète. Non, non, il n'y a pas besoin de la recapturer vu qu'elle elle est déjà à nous. Ça va partir progressivement, c'est celle-là qu'il faut recapturer. Ouais, donc là ça s'est plutôt bien passé. Il y a cette flotte là-haut, mais il y a constamment des vaisseaux de support qui sont construits. Ça les empêche de capturer. Il y a un autre flagship ici, le Justice, qui n'a plus de vaisseau de support. Moi, je serais d'avis d'aller les. Attendez, je vais tenter un truc. Non, c'est pas assez rapide. Pas assez rapide. Non, 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 pas assez rapide. Hop, 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 hop. On annule, on annule, on annule. Ils annulent pas, ils annulent pas, ils vont partir. Ils ont annulé, c'est bon. Est-ce que la planète est à recapturer? Oui. Alors, on va tout de suite. Voilà.
C'est bon. Le système a été défendu. Le système a été défendu. Donc je ne peux pas apparemment passer ma planète mère au niveau 6. C'est pas très grave. Là j'ai combien en revenus? 4 millions. Les recherches, j'ai 13 000 points de recherche là, c'est le moment de bombarder. Hein. Je vais mettre en pause et je vais faire toutes les recherches dont j'ai besoin. Alors, surtout dans le domaine militaire, hein, voilà, architecture de destroyer, voilà, tous les dommages des vaisseaux de support de 15% en bonus. Alors, on recherche tout ça, hein. Commandement, ciblage, est-ce qu'on peut le studier? 900 d'énergie, ouais, allons-y. Hop. Destruction, carrière, développement. Research Center 1. Battleship Development. Node, Interlink, Node. Alors, réduit le coût de construction des vaisseaux de support de 10%, mais augmente le coût de construction des flagships de 5%. Moi, je dis c'est rentable. C'est rentable. Donc vous voyez, on peut quand même orienter sa race avec les technologies, etc. Enfin, c'est surtout grâce au mode, parce que toutes ces recherches-là, elles n'existent pas. Heavy Railgun. Alors ça, je vais le rechercher. Mais direct. Alors. Ok. Fait autant de dégâts que 9 tirs de Railgun. Donc c'est bien. Plus efficace pour percer les armures par rapport à un canon Railgun classique. Par contre, ça tire 8 fois moins vite. Ça a un plus petit arc de tir. Bon, ça, c'est pas très grave. Ça prend plus de supplies, c'est normal. Et les projectiles sont plus lents, c'est pas très grave non plus. Je recherche. C'est pas mal, ça, d'en mettre un parmi d'autres Railguns. De toute façon, après, quand j'aurai les modificateurs d'armes, ça va être complètement pété. Développement de Battleship. Alors, je peux l'étudier hein, pour 1000. Ça coûte rien. Ah, c'est bizarre, c'est des recherches qui ne coûtent rien. Dual Mount. Dual Mount. Flak Canon. Ça va être génial. Explosif, donc ça augmente les effets des armes explosives. Self-destruct, on s'en fout. Increase Reload Speed par 20%. Bah, carrément que c'est bien ça. Matériel science. Voilà, on va déjà faire ça. On verra après. Je referai les designs de vaisseaux un peu plus tard. Alors, est-ce que je suis encore en guerre avec eux? Je ne crois pas. Hein. Bah, ils se sont fait défoncer, ceux-là. Ah, ils se font défoncer, d'accord, par une porte de mes alliés. Les portes sont armées chez eux, et en plus, ils se prennent des torpilles dans la gueule. Où en est le traité? Voilà. Demande de surrender, donc ça je m'en souviens, je leur avais demandé de se rendre, ils ont refusé. Ils ont signé le traité. Pop! Pause. Système contesté. Quoi, mais dis pas que c'est que ça. Si, c'est eux. Ah, c'est juste pour dire, il y a des ennemis, ramène-toi, c'est tout. Eh ben, allons leur péter les dents. Je sais pas, moi. Faites quelque chose. Et de toute façon, ils vont se barrer. Donc, je crois qu'ils sont en train de se replier, hein, tout simplement. Bon, je vais faire ça par sécurité, mais... Ouais, vu à la vitesse qu'ils vont, ils sont en train de partir, donc... Ouais. Ils sont en train de partir. Une petite sauvegarde. Voilà, donc... Système Bae, donc c'est ici. Ils font que passer, voilà, ils sont sur la déroute. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en stand-by pour l'instant. Ils sont pas en stand-by du tout. Je vais envoyer mes deux flottes. Ils sont en train d'attaquer mon allié. Allez, pétez la gueule. Ah non, j'ai passé d'énergie FTL. Merde. Bah démerdez-vous. Ah non, ils attaquent pas. Ils attaquent pas, non, ils font que passer. Bon. J'ai l'impression qu'ils sont en train. Un peu en train de repartir la queue entre les jambes.
De toute façon, il va falloir quand même que je refasse bientôt le... Oh, ça c'est le gardien. De toute façon, il va falloir que je refasse bientôt tous mes designs. Je suis à combien? 4 millions de revenus, 4 millions 100 000. Si je... Ah, je ne peux pas coloniser par là, ça c'est le problème. Est-ce que j'ai un truc pour créer une étoile? Orbital frame, on s'en fout. Ion canon, alors... Ouais, non, on s'en fout aussi. Protoplanète, hein. Commande computer, support station, espionnage, floating continent, planète générateur. Alors, génère une planète à la position souhaitée. Alors, attendez. Mais est-ce que je peux le faire n'importe où? De toute façon, j'ai pas assez d'énergie. Je crois que ça va être un peu la galère, hein, pour le moment. Je ne peux pas coloniser par là. À cause de ce putain de nuage de gaz. Si je trouve un artefact pour pouvoir créer une étoile, je pourrais poser l'étoile ici et ça me donnera accès. Ça me fera une escale en fait, ça me donnera accès au reste. Parce que là, ça sera complètement coupé du monde et du coup, mes revenus vont en souffrir. À moins que je fasse une deuxième zone ici. Mais ça va être chiant à gérer quoi. Ça va être très très chiant même. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une zone des fascis. Les progéniteurs, ils sont là-haut, je crois. J'ai un petit vaisseau d'exploration qui continue son petit bonhomme de chemin. Ici, c'est qui ça? Confédération de Rata, d'accord. Ceux-là, ils nous ont pas trop fait chier pour le moment. Hein. Ils sont plutôt loin, d'ailleurs. Ok, bah à part les petites attaques, les petits raids que j'ai pour le moment. Tout va bien, j'ai envie de dire. On va coloniser les deux planètes de bouffe. J'en aurai forcément besoin. Une protoplanète. Alors, j'ai pas assez d'énergie. Je vais faire aussi des recherches hein, pour l'énergie, tout ça. Je crois que je vais être obligé, de toute façon. J'ai rien de disponible ici. Hein. Non. Énergétique, ionisation. Voilà, ça augmente mes revenus en énergie. Je vais commencer à rechercher ça. Science en énergie, donc ça génère 500, un bonus de 500 d'énergie immédiatement. Alors, nos bonus énergie is gained from searching using alternate Ah, augmente la vitesse des projectiles, ça c'est bien. Il y a quand même des technologies un peu militaires, comme par exemple le canon muon. Qui tire plus vite que le ray gun, qui perce les armures et ignore les résistances de dommages. Mais par contre, ça fait moins de dégâts et c'est beaucoup moins précis. Là, ils disent projectiles pas précis, mais c'est vraiment pas précis. Quand tu les vois tirer, ils tirent en entonnoir et ils tirent n'importe comment les trucs. En tout cas, ça ignore les armures, tout ça. Donc, moi je dis Studai pour 2 millions. Direct. Direct, direct. Accuracy. Donc ça augmente la précision, donc ça c'est pas mal. Hein. Surtout si on commence à utiliser des canons au muon. Mais est-ce que ça compte pour les canons muon vu qu'ils disent projectiles tirés par des armes kinétiques quoi. Donc, tout ce qui est projectiles physiques. Je pense surtout aux roquettes, aux missiles, aux raygun. Bon, je recherche quand même de toute façon. Alors, les bonus de vitesse de projectile, c'est que 2 minutes. Allez, je les recherche tous les 3. 20% par machin, ça va être un truc de dingue. Encore de la précision. Donc voilà, en fait, on n'a pas vraiment que des technologies, on a plein de bonus à rechercher. Et ça, c'est pas mal. On peut se concentrer sur un seul type, par exemple, vitesse de projectile, précision ou dégâts. Bon, je fais un peu de tout. Surtout que c'est des petites recherches, voilà, c'est 2 minutes. On a 2 minutes, largement. Surtout quand on accélère la vitesse, etc. J'ai combien de temps de vidéo là? 24 minutes déjà. Alors, je ne pense. Enfin, je pense que je vais un peu m'arrêter sur les vidéos qui durent 1 heure. Parce que c'est une plaie à uploader sur YouTube. Je vous jure que c'est un truc de dingue. Pour faire le rendu vidéo.
J'espère que le fond bleu va pas trop être dégueulasse. Pour faire le rendu vidéo, voilà, ça prend déjà 3 bonnes heures. Pour le mettre en ligne, ça prend au moins 4 heures. Donc faut compter 6-7 heures à chaque épisode de Star Ruler, en fait, pour le mettre en ligne. C'est long. C'est long. Alors je pense faire plutôt des plus petits formats. Bon, on risque pas d'avancer beaucoup, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Mais je vais essayer de reprendre un rythme régulier. Monte m'y voir mes designs là. Qu'est-ce que j'ai? J'avais juste augmenté. Non, même pas, j'avais même pas augmenté la taille. X-limit modifier, on s'en fout. Contrôle, y a rien. Weapon, j'ai le rocket launcher, j'ai le torpedo. Alors pourquoi pas faire des vaisseaux de support lance-torpilles. Propulsion, j'ai tout le temps le rocket, il va falloir que je recherche les propulseurs ioniques et tout le bordel. Niveau armure, j'ai que l'armure de plate. Modifieur, alors j'ai quand même des modifieurs, tu vois. Armes chargées, rapid cycling, munitions perçantes, etc. Voilà, tête explosive haute zone, on va dire. Voilà, ça fait en sorte que les armes explosives couvrent une plus large zone à l'impact et peut éventuellement toucher plusieurs vaisseaux, notamment les torpilles. Donc ça, voilà, twin mount, spinal mount, voilà, c'est, j'en avais déjà parlé, hein, tout ça. Mais c'est des trucs que je vais rajouter pour mes prochains designs, hein, je pense. Parce que là, j'en ai pas encore mis. Hein. Ah non, j'ai tout le temps mes vieux designs. Ouais, ouais. Ok. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait 27 minutes. Faut vraiment que je réfléchisse au niveau du format de vidéo. Dites-moi ce qui vous convient le mieux. Si une heure, ça fait trop. Si une demi-heure, c'est pas assez. Enfin, voilà. Pour l'instant, bon, là je fais 30 minutes. Dites-moi si à l'avenir vous en voulez plus. Il s'est pas passé grand-chose à part une bataille et j'ai engagé pas mal de recherches. Un peu de diplomatie, mais vite fait, c'était juste pour me remettre dans le bain. Ah, ils commencent à. Ils explorent bien quand même, hein. Va falloir que je fasse plus de stockage d'énergie FTL et que j'envoie plus d'explorateurs pour trouver les progénitors et leur péter la gueule. Mais directement attaquer la planète mère. Je pense que ça peut bien les faire chier. Surtout au niveau revenu. Si j'arrive à capturer leur planète mère, ils sont mal. Allez, c'est tout. Moi, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me proposer des stratégies et tout. Alors, je crois qu'il y a des gens qui m'ont donné des astuces, etc. Pour la prochaine vidéo. Mais c'était il y a longtemps. Voilà, je sais plus où j'en étais. Là, je vais essayer de reprendre. Tranquillou. Maintenant que j'ai le temps, de toute façon. J'ai le temps de le faire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des astuces ou quoi, dans les commentaires, à me dire, à me proposer des trucs. En tout cas, voilà, c'est tout. Je vais vous laisser. Je vais faire une petite sauvegarde avant. Sauvegarde let's play. Save. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas fait pour savoir quand sort la suite. Et moi, je te dis bonne soirée, bonne journée et à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Oula, petit lag. Ciao tout le monde.